Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni de là où tu es et que la paix et la joie du Christ soient avec toi. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu, nos prêtres, nos évêques, le pape, les responsables des fraternités, des groupes de prière, de tous les mouvements, toutes les organisations de l'Église. Nous allons prier pour tout un chacun, tous ceux qui servent le Seigneur d'une manière ou d'une autre, afin que le Seigneur dépose encore son onction sur leur vie et qu'il leur donne la grâce non seulement de persévérer dans le ministère qu'il leur a confié, mais aussi que leur vie soit un réel témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons prier avec la première lecture de ce jour, avec l'introduction de cette première lecture qui nous dit « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. » Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi pour t'implorer, crier à toi pour tous tes serviteurs, pour tous tes oints, Seigneur. Tous ceux à qui tu as confié une mission, Seigneur, dans l'Église et partout dans le monde. Nous voulons, Seigneur, crier à toi pour tes enfants qui ont la charge, Seigneur, de tes serviteurs, de tes enfants, tes enfants dans le monde. Seigneur, nous te confions le pape François. Nous te confions, Seigneur, tous nos évêques, tous nos cardinaux. Seigneur, nous te confions tous nos prêtres, tous les consacrés. Nous te confions tous les responsables de nos groupes de prière, de nos fraternités, des associations, de toutes les organisations de l'Église, tous les mouvements de l'Église, Seigneur. Tous ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nous te confions tous les chantres. Nous te confions, Seigneur, toutes les chorales, tous les choristes, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui exercent, Seigneur, un ministère dans l'Église. Seigneur, tous ceux qui exercent même leur ministère, Seigneur, dans l'invisible. Tous ceux qui sont, Seigneur, dans ce ministère d'intercession. Seigneur, nous te confions tous les moines, toutes les moniales, Seigneur. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont cachés et qui tous les jours prient pour le salut du monde. Seigneur, nous venons ce matin crier à toi pour eux. Pour tous tes serviteurs, afin que, Seigneur, l'onction déborde encore dans leur vie, afin que, Seigneur, tu sois toujours présent dans leur vie et que tu les guides, que tu les fortifies, que tu les remplisses, Seigneur, de toi. Alléluia. Oins-moi et soutiens-moi et oins-moi et soutiens-moi, hey. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, ya ya oins-moi. Afin que j'aille prêcher, oins-moi, afin que je démontre ta puissance, oins-moi, oh, oins-moi. Nous crions à toi, éternel notre Dieu, pour tous les prêtres, Seigneur, qui ont perdu le goût de l'Eucharistie. Pour tous les prêtres, Seigneur, qui n'ont plus,
Seigneur, ce zèle, cet amour qu'ils avaient pour toi au début, Seigneur, de leur vocation. Seigneur, nous te prions pour tous les consacrés, Seigneur, qui n'ont plus ce goût, Seigneur, de te servir. Tout cela, Seigneur, pour qui la vie de prière, Seigneur, est devenue une routine et non plus, Seigneur, une relation d'amour véritable avec toi. Nous voulons, Seigneur, crier à toi afin que, Saint-Esprit, tu ravives l'amour de Dieu dans leur cœur. Que tu ravives l'amour de Dieu dans les cœurs, Seigneur. Que tu ravives l'amour de Dieu dans les cœurs. Alléluia. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Oh, allez, afin qu'ils aillent t'annoncer. Seigneur, afin de démontrer ton onction. Où elle est, oh, où tes serviteurs, Seigneur, où est tous tes enfants, papa, où est tes serviteurs, Seigneur. Là où tu es aussi un serviteur de Dieu dans ta famille, dans ton travail, dans ton lieu d'études, dans ton quartier, dans la maison où tu habites, partout où tu es. Sache que tu es aussi un serviteur de Dieu et le Seigneur veut que tu témoignes de lui, que tu le serves comme il veut que tu le fasses, en étant un porteur d'amour et de grâce au milieu de ta famille, dans ton entourage, que tu sois un artisan de paix. Que tu sois un artisan de paix. Que tu sois un artisan de paix. Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse de son onction, qu'il te remplisse de sa grâce, qu'il te révèle clairement ce à quoi tu es appelé. Et que durant cette journée, tu sois la main de Dieu pour donner la joie et la paix dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et passe une sainte journée dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.